Bonjour Ariane, j'espère que tu vas bien. Je suis prêt pour t'inviter à un bateau comme nous, Françaises, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. L'événement aura lieu au château de Barmelouzès le 1er janvier. Je compte sur ta présence qui envahira la soirée. A bientôt, je l'espère. Bien amicalement, je suis signée M. C'est qui ça, M? Et où est-ce que le château de Barmelouzès? Au milieu d'un bois, loin de toute ville. Très joli. Qu'est-ce que je vais porter? Ma belle robe rose, bien sûr. J'ai hâte d'y être. Bonjour. Bonjour, on se connaît? Non, je ne crois pas. Pourtant, vous me dites vaguement quelque chose. C'est étrange, toi aussi. Tu viens d'où? Du royaume de l'Ouest, de Gambot, et vous? Tu as tout le en Chine. Lega, enchanté. Mon âme. Vous êtes en vacances? Pas vraiment, je suis invitée. Ah bon? Et par qui? Justement, je n'en sais rien. Un mystérieux. Ah bon, vous aussi? Je voulais vous dire que... Moi aussi... Bonjour, vous connaissez la région? Moi, désolé. Je cherche le château de Dame. Moi aussi. Moi aussi. Je suis le Panzo. Moi, le Corona. Corona? Ce n'est pas une maladie, ça? Pardon? Je me dis que c'est mon royaume. Je ne connais pas, je n'ai pas entendu parler. Vous avez tort, c'est un très joli pays. D'accord, on vous prend maintenant, mais tout ça, ça ne dit pas comment retrouver ce château. C'est aussi la question qui me pose. Je vous ai fait peur, désolé. Je m'appelle Ariane. Décidément, ça n'arrête pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un taxi? Et non, pas très bien. À ce rythme-là, on va y avoir besoin. Tu viens d'où? De l'océan, lequel? Atlantique. À bien, Connor, Tinkerbell et elle, c'est Wendy. Vous êtes amis? Oui, depuis longtemps. Quelle chance vous avez de pouvoir vivre dans nos zones, avoir les ailes collées. Quelle chance d'avoir des ailes. C'est vraiment fatigué. Quel est le plan maintenant? La repasse arrive. On vient de recevoir un message. Elle a raison. Belle, ravie de faire votre naissance. Vous allez faire un bon voyage? Ouais! Quand est-ce qu'on va arriver? Attends, je regarde. Environ 15 minutes. Merci, Coca. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à manger? Ne sera-ce qu'un petit gâteau? Oui, tu l'as fait. Je veux bien un blanc. Blanche-Neige! Dis à ce chauffeur de faire attention! Chauffeur, fais attention, on a fait bien une entière! Tant pis pour le gâteau. Ce soir, c'est le bal. Ce soir, c'est le grand bal. Jasmine, assieds-toi si tu continues. Tu ne veux pas passer à l'hôpital, cheval. Voilà, raison. Assieds-toi vite. Tais-toi, Cendrillon, je suis grande, je ne vais pas tomber. On te l'avait dit pourtant. Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Chauffeur, tu ne me ramassez pas, on va se plaindre. On va nous attaquer en justice. C'est encore loin. Comment le savoir avec ces routes qui tournent tout le temps? Vous voulez des bonbons? Tu as fait des provisions? J'ai tout ça. Forcément, tu viens de rien qui en est plein. Et moi? Attends. Merci. Quelqu'un connaît ces mystérieux reines? J'avais entendu son nom. Moi non plus. J'y pense avec les attitudes, cette invitation. C'est étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Chauffeur, c'est quoi le problème? Regardez, il y a des arbres partout autour. Ça s'appelle une forêt, moi, non? On est perdu! Non, non, on est juste 5 minutes de château. Il fallait qu'il surtout pas. Très bien, allons-y à pied. Ça fait pas de temps. À la raison, allons-y. Waouh, comme c'est beau. J'ai raison, c'est magnifique, il y a des roses partout. Et en plus, ce château est immense. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. Et puis, ça sent tellement bon. Ça va? Vous êtes bien installé? Oui, la chambre est super. Et la salle de bain, vous avez vu? C'est robinet doré en forme de rose. Cette baignoire est incrustée de diamants. Et c'est premier fois qu'il sentit. On a vraiment de la chance. Je suis d'accord, Belle. Mais ça ne m'en dit pas plus sur l'identité de notre hôte. Il doit être tellement riche. Je suis probablement un milliardaire. Vous avez croisé quelqu'un? Tu veux dire ici, au château? Oui. Car moi, j'ai vu personne. Moi non plus. C'est peut-être un château fantôme. Ne dites pas ça, ce serait effrayant. Elle a raison. Évitons les pensées négatives. Profitons plutôt de cet endroit. Vous savez ce que j'ai trouvé sur mon lit? Non. Un bracelet en or. Et moi, une crème en diamant. Moi, une bague en or. Moi, un collier. Et moi, un chat. En diamant? Mais non, un vrai chat. Mais comment tu vas le porter? Réfléchissez deux secondes. J'ai dit un vrai chat. Ah. Et elle a trouvé cette robe, vous voyez ça? Elle est belle! Tu l'as trouvée où? Sur le lit. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Quoi donc? Ça, on dirait du sang.
non, vous plaisantez? Pas du tout, regardez, tu t'es blessée. Non, pas du tout. Enlevez-la tout de suite, elle peut être infectée. En tout cas, ça peut être qu'elle a déjà porté. Peut-être notre hôte, la messeur est un. Écoutez, on dirait qu'il y a du monde vite. Enfin, nous sommes ici. Exactement ici. C'est pas trop tôt, mais c'est totalement épuisé. Tu es sûre que c'était seulement 5 minutes? En tout cas, on n'a pas fait ces marches trop tôt. Regardez ce merveilleux endroit. Je vois que bien, il y a des mots partout. Tu as raison, mais je vois personne pour nous appeler. Personne pour nous montrer le champ. Tu as raison. Y a-t-il quelqu'un? Géna, montrez-vous. Désolée, je suis en humaine. Vous êtes qui? Nous sommes une princesse. Vous en faites un bas. Ah bon, vous aussi? Oui, le château de la Mignon, c'est bien ici, n'est-ce pas? C'est bien ça. On y est arrivé il y a 2 heures. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes toutes déportées? Notre route s'est tombée en panne. On a dû faire les races à pied en pleine forêt. Vous êtes en train de m'arrêter. Vous n'avez pas de chance. Comme vous dites, je ne tiens plus debout. Mes jambes sont en compote. Quelqu'un pourrait nous montrer le champ, s'il vous plaît? Bien sûr, suivez-moi. Merci, c'est gentil. C'est au premier étage. Vous y croyez si ce soir de petit tombe en panne? Pas vraiment, je trouve ça un peu étrange. Pourquoi étrange? C'est finalement assez courant. Oui, mais de la part d'un aussi riche, c'est un peu surprenant. Là, je te suis. Pour le plus, même si c'est vécu. Passons de toute façon à son carrousel. À quelle heure ça va commencer pour travailler? Bonne question. N'a aucune information, c'est curieux. Aucun personnel. Aucune agitation. Aucun musicien. Ils vont peut-être arriver tous ensemble. C'est là où ça arrive. Donc, on a le temps. Je vais en profiter d'essayer cette nouvelle baignoire. Moi aussi, ça serait trop bête de s'en priver. Tu veux voir le chat que j'ai trouvé? Pourquoi pas? Viens, j'espère que tu es toujours là. Il fait quelle taille? Small, medium ou large? Je t'en supplie. Au moins, je pense que tu portes ta santé. Je reste.
toujours dit la même chose pourtant. J'ai raison, c'est étrange. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Pour les sortir de là, si vous voulez faire d'autres. Bien sûr, allons-y. Mais pour les amener où? Et pour en faire quoi? Ce qu'il nous faudrait, ce sont des surcours. Ici, loin de tout. Magnifique forêt. Vous croyez qu'elles sont mortes? Non, elles vivent encore. Quelqu'un a forcément cherché à leur faire mieux que ça paraît du blanc. Mais pourquoi elle est pas née? On est peut-être les prochaines sur la liste. Peut-être bien, oui. Leur position est finie. Sinon, et sans faire de bruit. Il me croit sans doute que c'est pas notre chance. Venez, les filles. Je pense que c'est par là. Ah, ma tête. J'ai eu des migraines. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Aïe, j'ai l'impression qu'un camion m'a roulé sur la tête. Ah bon? Toi aussi? Oui, ça fait mal. C'est sans doute à cause du shampoing. Tu veux dire du champagne? Ah oui, j'ai compris ça. C'est quand même une idée de ma grand-mère? Probablement toujours dans le château. Moi, j'ai dit que c'est une référence à ça. On dirait une sorte de cachot. Tu veux dire une prison? Oui, je l'ai bien fait. Peur de quoi, Ariel? J'ai mal à la tête. J'ai juste mal à la tête, tes cobayes. Oui, Wendy. Je suis là, enfin je crois. Aïe! Oui, on est bien vivante. Oh, mon téléphone, je ne trouve plus. Je cherche mieux. Je l'assure, je n'ai pas. Moi non plus. Moi non plus. Pour la vue ou les points? Pour nous empêcher de communiquer avec l'extérieur. C'est un vrai cauchemar, cette habitation. On a fait du mal, ça paraît évident. Et où sont les autres? On n'est que 9 ici. Elles sont peut-être mortes. Tout simplement enfermées à l'heure. J'espère que ça convient. Quelqu'un a une idée de l'heure qu'il est? Comment ça va? Tout au fond d'un chaud. Pour mieux qu'on sorte un jour! Qu'est-ce qu'il nous a, à votre avis? On a peut-être un appel. Tu veux dire d'une demande de rançon? Quelque chose comme ça. Voilà encore pire. Dans tous les cas, il faut trouver un moyen de s'échapper. Oui, sans ça, on est perdu. Sans très clair. Alors quelque chose. Oui, mais comme quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver dans un cachot? Bon, ça se verrait. Un passage secret. Dans tes rêves. Une trappe. Ça? Pourquoi pas? Tu as raison, il y a peut-être une. Oh, regardez, il y en a une ici. D'accord, il y a une. Donc peut-être le coup d'essayer. Il faudrait quelque chose de pointu. Le bon serait un peu léger, non? C'est toujours fait de bien. Juste pour qu'elle est assez pointu pour moi. Maintenant, nous devons essayer de lever de toutes nos forces. Allez, encore un effort. C'est pas possible, elle est bloquée. Aïe! Tu t'es fait mal? Non, je
ma puce. Bien sûr que je me suis fait mal. Mais moi, pour ça, ça ne sert à rien. Rien, je n'aurai jamais. Je suis dans ton avis, Mérida. Et moi aussi. C'est trop facile, non? Est-ce que tu fais de trop peur? Si, tant pis. Mais montrez-vous, espèce de lâche. Je comprends. Vous devez m'en vouloir de cette ainsi. Vous êtes là parce que je l'ai voulu. Et aucune de vos 15 en sortir vivante sans que je l'ai décidé. On va donc mourir ici? C'est bien probable, Jasmine. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous le saurez autant voulu. D'ici là, vous resterez dans ce secret chaud. Je sais bien qu'il n'est pas très confortable. Je vous souhaite une bonne journée. Au moins, on est fixé. Je ne crois pas vraiment que c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire? On lui a peut-être cousu du tort, même sans le vouloir. Du tort ou de la peine? À lui ou à sa famille? Mais comment le savoir? L'une de nous a tué quelqu'un. Pourquoi cette question? Ça pourrait être une piste. Moi, j'ai tué Jade. Il me trompait. Moi, j'ai tué Jafar. Il voulait s'emparer de mon royaume. Moi, j'ai tué ma mère. Mais elle est devenue un ours. Pardon? À ce moment-là. Moi, on m'a dit qu'on a tué des pirates. Autant de motifs de vengeance. Sans compter la mauvaise main de Blanche-Neige. Et la mère adoptive pour Rapunzel. Dis donc, moi qui pensais être la seule. Une vraie bande de tueuses, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? S'échapper? On pourrait essayer de trouver un moyen. Entretenant sa plaisanterie aussi. On peut multiplier nos voix? Tu veux dire en les changeant? Oui, ça pourrait faire diversion. Comme ça? Comme ça! J'ai faim! On peut essayer, c'est marrant. D'accord, faisons ça. Besoin de toilettes. J'espère au moins qu'il y en a. Bonne question, cherchons-le. J'espère seulement qu'il n'y a pas de caméra. Bonne remarque, s'il y en a, ça ne sert à rien. S'il y en avait, il saurait que nous sommes seulement là. Mais ferme ta bouche. Pourquoi? Ariel? Oui, Wendy? Tu l'as fait exprès ou bien? Non. C'est malin, ce qui va disons, ce sous-sol du château. Mais où je suis? Ça me fait peur de ton droit, c'est terrible. Seulement, vous savez où aller. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? Ah, mais c'est toi. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que mon cœur m'arrêtait. Chut, prends de fort. Tu as raison. Tu as trouvé quelque chose? Absolument rien. J'ai juste levé à me perdre. Pas mieux pour moi. Tu entends ça? Pardon? Écoute. Tu as raison, qu'est-ce que c'est? On dirait une voix qui essaye de crier. Quelqu'un doit être là. Cherchons. On dirait que ça vient de là. De ce sac? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là les bras croisés. On regarde à l'intérieur. Fais attention. Aide-moi. De mieux en mieux. Une autre victime, ça n'arrête pas. Vous trouvez la peur à la liberté? Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, les filles. Tout va bien, madame? Oui, ben, un peu froissée, mais tout va bien. Elle connaît ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je connais bien aussi, Blanche-Neige. C'est moi qui vous ai invité. Vous êtes invité à deux ans? Oui, c'est bien moi. Je préférerais vous accueillir comme j'avais prévu, mais on m'en a pas laissé le loisir. Vous voulez dire que quelqu'un vous a blessé? Juste avant votre arrivée, oui. Je suis en train d'essayer une robe pour le bal que j'ai senti un grand coup derrière ma tête. Et cette personne, elle s'est prise à nous, auprès de vous? C'est ce que j'ai craint. Mais je crois que vous épargnez. Neuf d'entre nous ont quand même fait emprisonner. Quel malheur! Où sont-elles? On n'en sait rien. Probablement retenues prisonnières. Il faut les libérer. Comment savoir elles sont maintenant? On a notre téléphone. On peut les appeler. Bonne idée. Mais qu'est-ce que je leur dis? Où on est? Comment nous rejoindre? Je leur explique la situation, puis tu me les passes. Entendu. J'espère qu'elles vont bien. Et moi donc, je faisais une telle joie de vous recevoir et de vous offrir un bal inoubliable. Ce n'est peut-être pas par Dieu. Vous savez, tu tombes bien, Brona. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. On est en retard, pardon.
On a couru, mais c'est un vrai labyrinthe, ce château. Au moins, vous êtes là. Pourquoi est-ce que tu es de nouveau? Oui, on a trouvé la mystérieuse dame. Celle qui a voulu tuer? Non, la vraie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est celle qui a capturé les autres et la fausse. C'est un imposteur. Elle m'a capturé moi-même. C'est une chance pour mes amis de me libérer. Eh oui, c'est moi qui vous ai invité. Vraiment? Désolée, mes vêtements ne sont pas propres. Je m'avais moi aussi passé une robe. Une belle robe rose. Mais l'imposteur me l'a prise. Probablement la robe que mérite de porter. Achète-en. Oui, sûrement. Vous êtes blessé? Non, pas pour rien. Mais j'ai eu très peur. Quelqu'un mange, non? Oui, Rapunzel, quelqu'un a vu? Elle est peut-être passée aux toilettes. Tu plaisantes? Qui part aux toilettes dans un moment pareil? D'accord avec toi, Blanche-Neige. Quelqu'un rappelle? Oui, je le fais. Elle ne répond pas? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour votre ami? Non, c'est rien. J'espère qu'il n'y a rien à la maison. Mais pour le reste, je pense avoir une solution. Laquelle? Je vous explique. Il faut absolument libérer vos amis. Si la personne a allé jusqu'à me séquestrer dans mon château, c'est qu'il est déterminé. Vous avez une idée de l'endroit où elle peut être? Il existe un cachot, très isolé, tout au point d'un tournant. Assez grand pour 9 personnes? Pour 9 et même 50. Alors on y va, qu'est-ce qu'on attend? Et comment on rentre? C'est les barreaux? Si mes souvenirs sont bons, il existe un passage secret qui amène directement dans le cachot. Vous ne pouvez pas le dire plutôt? Désolée, ma grand-mère m'en a parlé un jour, mais j'ai déjà l'exploré. J'espère que ce n'est pas une légende. Ça ne coûte rien d'essayer. On doit le retrouver. Facile à dire. On doit surtout les retrouver. Bon, on va? Bon. Vas-y. C'est par là. Attention, vos têtes, le plafond est très bas. Si vous avez peur du vent, tenez-vous par la main. C'est très sombre. Je meurs de faim. Et moi de soif. Et moi je touffe. Mais peut-être en train de me faire. Tu sais trouver les mots pour nous rassurer, Proca. Merci. Essayons au contraire de penser qu'on sera bientôt dehors. J'aimerais bien te croire, mais c'est plus en plus difficile. Je suis d'accord, on va tout monter ici et puis c'est tout. Être en plus, on ne va jamais retrouver le corps. Ça suffit. Vous devenez folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Tu ne vas pas prendre à bout? Tu cries aussi sans rayon, tu m'agaces. Et toi, mon âge, je te transforme en citrouille. Et moi, en eau de coco. Mais arrêtez de vous battre! Ce n'est pas de ma faute, si personne ne lui a appris les bonnes manières. Pour être honnête, je demande qui en manque le plus. Ne t'y mets pas, toi. J'ai une idée si je veux, que ça te plaise ou non. Ça suffit! Voilà l'autre qui recommence. Parfait, parfait, continuez. Parfait, continuez. Vous n'allez pas continuer de... Parfait, continuez. Vous pensez pas vraiment qu'on va... Qu'on va se disputer comme des gamines? C'est pas moi qui se dispute. C'est elle, la bonne blague. Voyez la mauvaise foi. Elle a toujours été de toute façon. Qu'est-ce que tu en sais? Quel rapport? Tu les connaissais que depuis ce matin? Intervention gratuite et sans aucun intérêt. Vous savez quoi? Vous me fatiguez. Vous entendez? Vous me fatiguez. Tinkerbell a raison. On doit tous faire un effort. Et là, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a quelqu'un. Je vous confirme. Qui c'est ça encore? C'est la mystérieuse âme. Belle? Oui, regarde. Les autres sont là aussi, regardez. Mais la nouvelle, c'est qui? C'est la mystérieuse âme. Pardon? Ne partez pas, qui peut en chuchoter. Vous y allez, mais d'accord. On va aller tout à l'heure. J'ai une autre personne qui s'en est pris à nous. Mais qui ça? Si on le savait, tout est mieux. Voici la mystérieuse âme. On peut la remercier. Non, c'est moi qui veux remercier. Je suis infiniment désolée. Après ce qui nous est arrivé, je pense que la chance est pour nous. Tu as raison, Pénélope. Vous n'avez pas sorti de tout à voir. Venez, suivez-nous. Mais attention, c'est très sombre. Et très simple. Vous allez me rendre. Tu préfères rester enfermé? Oui, c'est mieux. J'ai un peu peur du noir quand même. Et je... Allons-y, mademoiselle. Ne restons pas là plus longtemps. On vous suit. Vous entendez? Non, non. J'ai cru entendre. Qu'est-ce qu'on fait si on le trouve? Une mystérieuse haine est très claire. On capture sa booster et on le lui amène. Et s'il nous menace, on fait comment? On est là. On doit bien arriver, non? Oui, j'espère seulement qu'il n'y a pas de caméra.
J'espère seulement qu'il n'a pas d'armes. Oui, espérons. Venez, on va par là, ça me semble. Ça va peut-être cacher dedans. D'accord, ouvrons là. Qu'est-ce que ça semble, vous croyez? C'est vraiment un poster. Je l'imagine avec une tête horrible. Et une cicatrice sur le joue. Le genre pirate? Oui, c'est ça. Et une barbe bien noire. Et un regard cruel. C'est peut-être lui. Où ça? Là, quelque part. Il est là. Tu veux que nous repartes? Oui. Elle a raison, nous restons pas là avant de trouver les autres. D'accord. Eh ben non, il n'y a personne. J'aurais juré que ça doit venir d'ici pourtant. On doit trouver un moyen de s'échapper. Ou quelque chose s'est passé. Quel genre? J'en peux pas le dire. C'est mieux, tu as raison. Autant rester positif. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? Cette chose. On dirait une boucle d'oreille. L'une de nous l'a peut-être perdue. Ce sont des choses qui s'arrivent. Oui, c'est vrai. J'en pars tout le temps, moi. Ce ne serait pas la tienne par hasard? Au moins, on a trouvé quelque chose. Et il y a combien de pièces dans ce château? Je dirais une trentaine, sans compter les souterrains. Pourquoi? Car il y a beaucoup de moyens pour se cacher. On essaie le premier étage. Bonne idée. Allons-y. Maintenant, je le suis, d'accord? Promis. Une question de ce cas. J'ai été loin, on s'était un sang d'encre. D'abord, je tournais en rond dans la forêt. Et puis, j'ai eu du mal à retrouver l'entrée du château. J'ai cru que je l'avais jamais. Tu imagines si tu étais tombé sur lui en étant tout seul? Oui, j'ai eu de la chance. J'espère que ça reste comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Que sorte d'ici sain et sauf. Et que tout finisse bien. Je serai normal après tout. Oui, mais je suis sens. À quoi elle ressemble cette mystérieuse dame? Elle est charmante. Et très belle. Quelle chance que vous avez pu la libérer. Comme quoi tout s'arrange. Tiens, vous voilà. Vous venez d'où? De là. Et nous? De là. Vous avez trouvé quelque chose? Absolument rien. Et vous? Rien non plus. Ce château est un vrai labyrinthe. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On a vu une silhouette! Elle a fini sur l'escalier! Lequel? Le grand! Vous l'avez frappé? Non, pas encore! À mon bord! C'est quoi ces cris? Elles ont vu une silhouette? Qui ça, elle? Vénélope et Blanche-Neige. Elles sont où? Ça vient de là, allons-y. Il est pas là, j'en suis sûre. Il ne veut plus nous échapper. Monsieur l'imposteur, vous m'entendez? Finissez de fuir, on va vous trouver. Alors? Il est là. Il n'est pas loin, c'est certain. Vous l'avez perdu? Il est là! Attention, pas de bêtises. Vous êtes prête? Il est là! Elle est où? Termine, elle est partie par là. Mais c'est pas toi dernier, tu vas se passer en robe. Venez vite, on l'a bloqué. Vraiment? Puisque je vous l'ai dit. On va pas voir, ordure. On va pas voir. Restez là-bas, on rentre ici. Ne paniquez pas. C'est bon, on l'a attrapé. Il est cuit. Pas de soucis. Garde-le, les filles. Qui va prévenir mystérieuse âme? Je peux y aller si vous voulez. Moi, je fais la police. Tu as raison, venez. Mais ça m'a épuisé tout ça. Oh!
Bienvenue dans mon âme de mort. Et désolé pour cette malheur épisode. Désolé pour cet accueil. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous apprécierez malgré tout le bal que je vous ai préparé. Je termine alors. Bon bal à toutes. Profitez de ce beau moment. Que la fête commence. Quelle aventure, oui. C'était trop bien. Je suis d'accord. Je n'ai même pas eu le temps de dormir, moi. Maman, elle est toute entière et en vie. Tu as raison. On a quand même été enfermés dans un très chaud, sombre et poussiéreux. On a enfin fait de mourir de faim et de soif. Plus de peur que de mal. Ah, ça fait plus simple pour vous. Tu rigoles, on a dû se réfléchir pour le bois. Et bois pour ne pas se faire attraper. C'était pour vous sauver ensuite. Et vous l'avez fait. On doit quand même vous remercier. Mais bien si. Vous aurez peut-être nous, vous étiez trop nombreuses et trop. Et n'oubliez pas qu'on a dû s'y mettre à 15. Tout ça et pour un fini épuisé. Tout ça pour un imposteur dont ne sait toujours rien. Pourquoi fallait-il le kidnapper? Qu'est-ce qu'on lui avait fait? J'ai bien peur que ceci restera jamais un mystère. Pas forcément, on le saura un jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il est derrière ses parents maintenant. Et pour longtemps, à mon avis. Il n'aurait même pas réussi à cacher une robe, ni son magnifique star. Avec des bonbons, des chocolats, des sucettes, des chips et surtout beaucoup de sucre. Je vais enfin renfiler mes pantoufles. Je vais retrouver mes sept nains. Je vais pouvoir dormir au moins 100 ans.